Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Jeudi, à qui c'est mardi 23 juillet, ensemble pour nous étudier. Il y a une portion d'une étude semaine. Semaine, étude là, c'est numéro 4, les paraboles. Mais jeudi, à nous parler ensemble. La raison des paraboles. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour jeudi, à nous prier. Nous bénis, nous éternel, notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous. Et pour ça encore, qu'on t'ait réalisé dans la vie, nous. Merci parce qu'on prend soin de nous. Et merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui. Pour nous jeter un coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Père des cieux que vous aider nous à comprendre davantage la parole sérieuse et puis mettre en application. Nous ne pouvons pas mériter dans nos Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, je vous remercie, je vous félicite, vous encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentiez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Je vous rappelle. L'offre d'étudier plaisir, c'est encourager ou pour partager tout ça avec entourage ou comme ça, ou capable de faciliter plus de monde. Rivez, étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, nous pouvons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine, nan, nous avons abordé ensemble étude numéro 4. Et thème dans c'est les paraboles. Verset à mémoriser. Marc chapitre 4, verset 24 et 25. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui est là. C'est texte moi avec vous, nous gagnons pour nous capables de mémoriser pendant l'étude de semaine. Ça. Je dis à nous parler ensemble la raison des paraboles. Notez à travers et plusieurs portions d'études qui passent dans ce maintenant. Notez Jésus remet enseigner avec méthode ça qui c'est parabole. Et notez déjà pendant ce maintenant parabole ce mur là. Mais interprétation parabole là. Mais je veux dire nous parler ensemble raison parabole. Yo. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Nous allons regarder pour qui ça, Jésus t'est toujours enseigné en parabole. Bon, en plus de fois, il a utilisé méthode ça pour qu'il soit capable de prêcher. On allait dans Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et ne perçoivent point, et qu'en entendent, ils l'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Bon, sauf à une lecture superficielle de verset Sario, il prend la bonne impression que Jésus l'était enseigné en parabole afin que étrangers capable rete nan ignorance yo comme si moun ki pa t'ap servi Jésus nan époque là c'est comme si moun sa yo même sa lui a pas pour yo sauf une lecture superficielle mais une telle perspective li pa correspond avec action que Jésus te posé avant nan livre Marc là par exemple dans Marc chapitre 3 verset 5 et 6 Jésus t'est attristé à cause du dureté que chef religieux yo au point yo te même attribué travail missionnaire que Jésus t'a fait comme étant un monde qui affilié qui gagnait relation et ben avec diable. OK, c'est ça que nous yo même yo te dit dans Marc chapitre 3 verset 22 à 30 nous Jésus te prend au sérieux argument scribio il te expliqué en détail comment yo même yo fait tromper. Dans Marc chapitre 12 verset 1 à 12 chef religieux pour comprendre que parabole Jésus parle concernant vigneron, li concerné yo. Et c'est en fait un avertissement de la direction que prend leur complot contre lui et des terribles conséquences à venir. Si lui-même n'est pas soucié de yo, il pas averti yo en parlant de Jésus. S'il pas soucié de étranger yo, il pas averti yo. Par conséquent, parabole Jésus dans Marc chapitre 4, il besoin examiner de plus près pour qu'il soit capable de reconnaître
ce qui vraiment son point. Et nous, Jésus paraphrasait Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Maintenant, nous allons aller. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. Nous allons regarder qui ça qui est arrivé avec Ésaïe dans le passage ça. Et qui message, eh bien, qui était porté, eh bien, pour Israël. OK? Qui message, bon Dieu, te bail pour capable porter pour peuple Israël. Nous allons aller dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: Va et dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rendez insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: Jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes, et que le pays devienne un immense désert, et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple-là. Ésaïe gagne une vision de bon Dieu dans le temple et l'y submerge par la gloire de Dieu et sa propre impureté. Li. Bon Dieu purifie et lui balie un message choquant. Même j'ai avec Mac, t'assemblée gagne un décalage avec le reste d'Ésaïe, côté gagne un pile réconfort pour peuple bon Dieu. Dans Ésaïe 6, message est destiné à choquer les gens éveillés, afin qu'ils soient capables de détourner de mauvaises voies qu'ils ont trouvées. Dans Marc, la clé pour comprendre les paroles de Jésus se trouve dans Marc chapitre 3, verset 35. Pour comprendre les paroles et enseignements de Jésus, il faut qu'on capable faire volonté bon Dieu. Ça mène nous dans la famille Jésus. Ceux qui avaient déjà conclu que Jésus était possédé par le diable n'écouteront pas. Le but de la citation de Jésus dans Ésaïe 6, c'est pas dire que bon Dieu t'a empêché l'autre monde de rentrer, mais ses propres idées préconçues. Dieu t'a cœur qui t'a empêché d'accepter la vérité salvatrice. Eh bien, vérité ça, c'est le concept global de la parabole du semeur. Chaque monde choisit le type de sol qui est odoyé. Tout le monde décide avec propre tête yo. Eh bien, est-ce que vous devez abandonner yo par Christ ou bien est-ce que vous devez faire le contraire? C'est chaque monde qui gagne choix ça, je vous dis. En fin de compte, c'est nous-mêmes qui avons choisi. Ça veut dire, nous avons raison parabole là,
c'est pour capable susciter la caille chaque monde et bien décision qu'il doit prendre pour vie éternelle. C'est ça oui raison parabole là. C'est pour montrer moi-même ensemble avec vous côté que nous-mêmes nous pencher et qui côté nous de redresser nous. C'est-à-dire parabole là bon Dieu pas bailler pour perdre les hommes. Mais bon Dieu bail parabole là Christ utilise parabole là c'est pour capable attirer attention nous sur royaume bon Dieu. C'est pour attirer attention nous sur mode de vie que nous mené. Et bien à travers parabole yo Christ pousser nous à prendre conscience de l'état nous pour que nous capables tourner vite jeune et lui-même nous capable purifier nous pour mettre nous dans condition pour nous capable servir dans condition pour nous préparer nous pour nous tenir retour en gloire sauver nous. Je dis à nous d'apprendre ensemble la raison des paraboles. Avant nous aller en nous prier. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aide nous pour que jour après jour nous capable briver saisir pleinement enseignement ça et puis mettre en application. Nous pas gain mérite dans nom Jésus nous prions. Amen. Amis, déjà monsieur bonne étude, bonne journée et à la prochaine.